Aujourd'hui, je commence encore sur mon trépied parce que je suis vraiment pressée. Ce matin, je suis en retard pour aller au travail. Aujourd'hui risque de faire partie des quelques vlogs qui vont être un petit peu moins intéressants, je crois. Je suis sur le point de partir, ça paraît pas vraiment, mais je dois aller au travail. Je travaille aujourd'hui de 11h à 7h. Et puis, mes plans de la soirée sont vraiment pas certains encore, là. Par contre, pour rendre ça un petit peu plus le fun ce matin, j'ai reçu un colis de chez Lush. Là, d'une compagnie là, de. Ben, c'est des Lucky Brush en gros. Puis pour vrai, au début, quand j'ai reçu ça, j'étais comme, oh mon dieu, on dirait une brosse pour un cheval. J'étais vraiment pas sûre pour vrai à l'idée d'essayer ça. Mais aujourd'hui, j'utilise la brosse pour le fond de teint. Mais aujourd'hui, je l'ai utilisée avant-hier. Puis honnêtement, c'était fou raide. Le fini que ça a fait sur mon visage, c'était tellement clean, ça l'applique tellement bien. Fait que là, mon déjeuner est comme en train de cuire. Je me fais des pains dorés. Je sais que je suis pressée, mais je me fais quand même des pains dorés. Je sais pas pourquoi. Là. Fait que là, c'est pas une bonne idée. J'essaie d'ouvrir une boîte. Je vais faire des ciseaux dans la main en tenant la caméra dans l'autre. Ok, fait que bref, pendant que mon déjeuner, mes pains dorés vont cuire. Pourquoi ça l'ouvre pas? Oh my god, je vais tellement me couper là. Pendant que mon déjeuner va cuire, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Je vais juste essayer de pas oublier mes pains dorés parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce serait vraiment mon genre de les oublier là puis que ça brûle. J'ai reçu leur petit fini les jours gris. Leur petit catalogue en passant, il est vraiment cute là pour vrai. Mon dieu seigneur que je me complique la vie, j'essaie vraiment pas de vous mettre. Je vais vous mettre comme ça, je m'excuse, l'éclairage est pas super puis qu'il faut vraiment que je me baisse là. Mais bon, j'ai reçu ça. Donc, oh my god, est full belle. Une bombe avec ça, fait que une bombe pour le bain. Oh my god, ça sent vraiment bon. Le pingouin, fait que ça, je pense que c'est un pain pour le bain. Oh, il est trop cute, checker ça. On le voit vraiment pas quand je le montre. C'est un petit pingouin comme ça. Pour vrai, là, je fais plein de poutres partout là, sur ma table. Oh my god. Lui, il fait des glaces. C'est comme un petit cadeau. Ok, je veux comme pas l'ouvrir. Je risque de comme tous les utiliser auprès durant le vlogmas, fait que vous allez les voir en action dans mon bain. Noëlosaurex. Ah, ça je sais c'est quoi par exemple. C'est comme un bâton popsicle puis au bout il y a un espèce de dinosaure là, c'est vraiment mignon. Dernière chose, j'ai reçu la bombe Sluggy. Fait que je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Fait que là-dessus, il faut que j'aille vérifier mon pain doré parce que je suis sûre que ça me rend brûlant en ce moment. Oh my god! Il y a plein de poussière. Oh my god, quel matin! Je rush, j'ai rushé toute la journée, là j'ai dû chez ma fille à son travail, là je m'en vais à ma maison, là il fallait mettre du pétrole dans la voiture. Ah, rien n'est plus. Il n'y a plus. C'est Jessica qui va le mettre parce qu'elle prend plus souvent que moi de ce temps-ci. Fait que là, oh my god, ma face est rouge à cause des lumières! Je m'attends, ça m'énerve. Fait que c'est ça, il est rendu 7h20. Fait que je viens juste de finir du travail. Ça va vraiment être un très court vlog parce que ce soir je vais aller prendre un petit verre qui part. Donc je pourrais pas nécessairement vlogger. Oh, c'est notre colis aussi. C'est quoi? C'est qui? Je sais pas. Ah, bon, mais de vous êtes une journée colis aujourd'hui. Ah, en passant, maman, j'ai commencé à lire les commentaires de la vidéo d'hier. Ouais. Elle vient juste d'être mise en ligne, donc il y en a pas beaucoup. Et tout le monde te donne environ entre 47 et 50 ans. Ben mon Dieu Seigneur, c'est bien ça! Maman, veux-tu dire quel âge que t'as vraiment? Non, pour quelqu'un trouve mon âge, puis toi tu t'enverras un cadeau à la première qui va retrouver mon âge. Hein? Bonne idée! Et ma mère a décidé de faire un concours. Ça va être compliqué. C'est juste qu'elle va t'envoyer un cadeau. Ok, fait que la première personne qui devine la vraie âge de ma mère, ce qui va être dans mon blog d'hier, ne laissez pas le commentaire sous cette vidéo-ci, laissez-le sous le commentaire. Mais en commentaire sur la vidéo d'hier et non pas d'aujourd'hui. Puis la première personne qui répond correctement, je vais lui répondre dans le commentaire et lui dire qu'elle a gagné un prix. T'as rien préparé ma mère pour sauver encore plus de temps. Elle va ouvrir mon colis que j'ai reçu. Elle va vous présenter ce que c'est. C'est à moi, c'est pas Jessica, c'est à moi. Petit papier. Oh mon dieu, c'est encore une petite tombe. C'est encore des palettes de couleurs pour les yeux. Mon dieu, elle a pareil l'enfer d'ouvrir un magasin, elle en est là-dedans. Oh my god. En plus, moi, là, je porte pas ça, des encres à paupières, là, comme... Tout ce que je fais sur mes yeux, c'est mettre du mascara puis mettre mon bronzer dans mon creux de... Oh my god, c'est nice. Ah, mais... Ben, mascara, regardez, j'en ai plus.
Ah ben! Ou bien, on pourrait prendre ce prix-là et le faire tirer pour ceux qui devinent l'âge de ma mère. Ah ben oui, gardons ça, bien. Et oui. Voilà! Ma mère a dit que je me change trop souvent, ça c'est vrai. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je pars pour que, quelque part, là... 3-4 fois qu'elle peut changer une soirée, puis qu'est-ce qu'elle fait après? Je le pitch, là. Et voyez. Dans le fond de mon garde-robe. Parce que moi, m'en aller quelque part, c'est ça, ça me prend bien du temps à choisir qu'est-ce que je mets. Je peux me changer 4-5 fois dans 30 minutes. Ça fait, c'est que là, quand c'est temps de partir, puis que je suis pressée, je garoche tout dans le fond de mon garde-robe. Puis, je l'arrange pas. Bon, fait que là-dessus, je vais mettre fin à mon vlog parce que faut que je parte comme là, je suis un peu déjà en retard. J'ai mis mon chandail que je mets souvent, là, que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais acheté au Aritzia, si je me rappelle bien. Et mes jeans grises qui viennent du Topshop, puis c'est ça qui est ça, là, je vais aller faire mon montage et partir. Bonne soirée, pour ça demain, bye! I'm not...